Alors aujourd'hui, petite présentation de ma nouvelle carrosserie, la Honda Civic en version Monster. Tu vois, c'est beau. Ça a été peint, tout a été peint à l'aérographe. Ce ne sont pas des stickers. Là, il y a un superbe travail. Vraiment, vraiment superbe. Alors la seule chose qui est en stickers, c'est les feux avant là, les petites poignées de porte et les feux arrière. Sinon, tout le reste a été peint à l'aérographe. Un super boulot, même les contours de fenêtres là, c'est de la peinture. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette carrosserie, elle va être pour le FF03 qui est là. Donc je ne l'ai pas encore percé, c'est pour ça que je ne vous monte pas dessus. Donc là j'avais la carreau de la Sirocco hein, qui a pris des coups, qui a quelques traces de pneus. Ça c'est les petits frottements avec les Formule 1 sur la piste au club. Mais regardez-moi ce truc de malade, les détails. Lui là. Il a été peint. Il est peint à l'intérieur. Il est pas. Ce n'est pas un autocollant. Là, le Monster, c'est de la peinture. Il n'y a pas d'autocollant. Là, je peux gratter. Il n'y a rien. Il y a un sacré niveau de détail, hein. Donc, ça a été peint par mon pote Mika. Vous le trouvez sur Facebook, MK Airgraph X. MK Airgraph X. Je vais vous mettre de toute façon en description son lien. Et n'hésitez pas à le contacter parce qu'il fait des réalisations superbes, sur mesure, entièrement sur mesure. Alors bien sûr, hein, hop, on a le Monster de l'autre côté. Là, voilà. Donc le choix des couleurs, du motif, des motifs et autres, là c'est moi. Hein. J'avais demandé, j'avais montré une base, une photo de Ken Block, d'un carreau de Ford Monster. Et bah, il m'a réalisé un truc qui correspond pour une Honda Civic. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un super taf de malade. Là, dedans, voilà. C'est de la peinture. Il faut que je la perce. Il faut que je la mette sur celle-ci. Mais quand je vois comment celle-ci, elle a mangé, elle a vraiment mangé fort. Là, il y a du pneu partout, hein. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai pas envie de l'abîmer. Elle est tellement magnifique que ça serait bien un modèle qui resterait sur l'étagère. Mais bon, moi, je suis pas du genre à laisser les voitures sur l'étagère. Celle que j'ai sur l'étagère, c'est pour rouler. Donc voilà. En tout cas, vous voyez le taf de fou malade. Le petit dégradé là dans le M, il est juste top. Donc n'hésitez pas à le contacter. Enfin, laissez-le un peu tranquille parce que le contacter pas trop vite, je veux dire. Parce que là, il est en train de réaliser ma Porsche FG, un cinquième. Donc, il a un petit peu de boulot. Il va me faire un truc aux petits oignons dans le même délire. Enfin, pas dans le même délire, mais aussi bien que ça. Donc, voilà. Ça, c'est pas de l'autocollant. C'est peint. Tout est peint. Et c'est moi qui lui ai demandé, il aurait pu me faire aussi les feux, hein, la peinture, mais c'est moi qui lui ai demandé de les mettre en autocollant parce que c'est vraiment plus réaliste. C'est une carreau Tamiya et les autocollants Tamiya, ils sont quand même beaux. Donc voilà, donc ça donne un super résultat. Voilà. Mais c'est du détail quoi, c'est vraiment superbe, superbe, superbe. Voilà les amis. Donc je vous laisse là-dessus, je vous mets son lien en description.
Donc elle est gris anthracite, les pare-chocs qui sont noirs. Et voilà. Et je vous dis que là, vraiment, c'était un. Moi, je l'ai vu les photos quand il était en train de la faire. C'était un puzzle à faire tout ça là. Il a tout découpé à la main. Et après, il avait pris des. Il a mis des couleurs différentes dans chaque case là. C'était un gros taf. Il a mis du temps, des heures dessus, des heures de boulot pour faire ça. Mais la finition, elle est juste exceptionnelle. Vraiment. Voilà, 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 les gens. Allez, je vous laisse là-dessus. Just in care. À plus, tout le monde.